Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui. Le Elohim Nishma David ben Fortuna Mazal Fritna, Dvora bat Esther, et Allegria bat Sot, bat Sol ben Susan et bet Vanish. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Nedarim, Pere Gimel, Mishnah Gimel, Nidrei Onasim, et Diro Chavero Sheyochal Etzlo, Vechalahu, O Shechala Beno, O Sheikvo Naar, Are Elu Nidrei Anasim. Encore une nouvelle sorte des Nedarim qui n'ont pas d'emprise, qui ne sont pas actionnés parce qu'on sait très bien que tu n'avais pas d'intention de le faire. Soit, je vais expliquer un petit peu mieux quand même. Il y a une règle. Adam ki ishava levate bisvataim. Lorsqu'un homme jura, la Torah nous insiste en disant un mot en trop, qui est, lorsqu'un homme, on avait compris, il y a la tournure, la Gemara déduit qu'il y a un démon en trop, pour nous apprendre que lorsque tu jures, tu dois être un Adam, tu dois être un homme avec toute cette conscience d'un homme. Et si jamais tu jures sans en te trompant, parce que tu pensais à une chose et puis tu n'avais pas d'intention dans une autre situation, alors le Neder n'est pas appliqué, parce que tu n'étais pas Adam. Mais je vois, on a déjà commencé à avoir plusieurs cas de figure, on a même vu des gens que, de manière générale, il faut être en cohérence entre ce que tu veux faire et ce que tu prononces. Tu veux t'interdire une chose et tu prononces l'interdit. Mais si tu es en incohérence, parce qu'on sait très bien que tu n'as aucune intention de t'en interdire, donc les paroles que tu dis, tu les dis juste pour faire le beau, mais pas parce qu'elles sont réelles. Selon ce principe, on a un nouveau cas, c'est les Nidrei Onassim. On parle d'un quelqu'un qui prononce un Neder, et qu'après qui se retrouve forcé, malgré lui, à ne pas vouloir faire ce qu'il fait. Par exemple, son compagnon l'a dit, je te préviens, si tu ne viens pas manger chez moi aujourd'hui, tu ne profites plus jamais de chez moi toute ta vie. D'accord? Il a dit, donc il a prononcé un Neder, que si jamais tu ne viens pas chez moi. Donc l'autre, il a dit, d'accord, j'accepte le Neder, je viendrai chez toi aujourd'hui, j'ai bien compris, je ne refuse pas dans mon invitation, je vais venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'apprête de sortir, son gosse, il débarque, 40 degrés de fièvre. Il ne va pas sortir de l'essai parce que l'autre, mais d'un autre côté, il n'a pas envie d'être interdit par les fruits de toute sa vie, puisqu'il a accepté le Neder. Qu'est-ce qu'on fait? Vechalaou, lui, il est tombé malade, son fils, il est tombé malade. Oshéik Vonar, ou encore, il a voulu venir, il a commencé à sortir, il a pris des affaires, il arrive, et aujourd'hui, il y a le fleuve, il est en grande crue, il a débordé complètement, impossible de passer, on peut se faire emporter. Est-ce que maintenant, le Neder, il est appliqué ou non? Eh bien, la Mishnah me dit, Arelo Nidrei Onassim, tout ça, c'est ce qu'on appelle les Nidrei Onassim, qui ne sont pas interdits du tout, ils n'ont pas été actionnés, parce que tu n'avais pas d'intention, parce que malgré toi, donc au moment où le Neder, il doit commencer, où il doit s'appliquer, tu n'as pas d'intention, tu ne veux pas le faire. C'est contre ce que tu penses, c'est contre ce que tu espères, tu voudrais que le Neder ne soit pas appliqué. Et malgré tout, le moment est venu, tu n'es pas Adam Bijvois au moment où le Neder doit s'appliquer, donc tu ne t'es pas engagé par ce Neder que tu as prononcé. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Slachakotou, vous savez.